Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur mon let's play thème Hospital. Cette mission qui avance pas mal, il me reste quand même deux problèmes à résoudre. D'abord, j'ai pas de chirurgien, ce qui fait qu'à mon avis, je suis obligé de renvoyer pas mal de patients, tout compte fait. Ce qui est jamais bon pour la réputation, évidemment. Et ensuite, je suis en déficit. Et j'en vois pas le bout parce que la seule chose qui m'a permis de survivre un peu, c'est les récompenses de fin d'année. Et sans les récompenses de fin d'année, j'étais très loin de pouvoir rembourser mes dettes. Donc je sais pas ce que ça va pouvoir donner. Non, je suis en train d'essayer de bouger les bancs pour qu'ils soient en face de la porte. Bon, on verra. Ouais, j'ai pas de chirurgien. Alors, je sais qu'après, on peut les former. Mais, pour l'instant, j'ai pas... Ah, j'ai amélioré une drogue. Pour l'instant, j'ai pas de docteur. J'ai pas la salle qu'il faut pour former. Enfin, il me manque beaucoup de choses. De ce point de vue-là, c'est pas terrible. Et l'argent, je m'en sors pas. Ah, j'ai un VIP qui arrive. Ah, d'accord. Donc ça c'est cool. Peut-être. Oh, faut que j'enlève ça. Vite, toi là, viens là. Merde. Si le VIP arrive et qu'il y a des papiers par terre ou je sais pas ce que c'est, ça va pas le faire. J'espère que l'hôpital est bien propre en règle générale. Je serais bien tenté de prendre un nouveau quelqu'un pour l'entretien. Tiens, bah là, typiquement. Ok, c'est bon, il a réussi à nettoyer avant l'arrivée du VIP. Je vais faire le tour, on ne sait jamais. Je vais regarder le chauffage. C'est bon le chauffage, sauf quand on arrive au bout ici. Je pense que c'est ici, si j'ai bien regardé. Alors évidemment, ça coûte cher d'avoir beaucoup de chauffage. Sur le budget général, ça doit être... Non, pas besoin de regarder là. Je peux regarder ici. 1575 de chauffage, c'est affreux cette affaire, ça fait beaucoup. Hein. Ça ferait beaucoup. J'irais bien bouger ce radiateur-là qui est pas tout à fait au bon endroit. J'essayais d'inverser. Ah merde, j'ai pas de traitement pour lui a priori. Voilà, virer. C'est bizarre. Il me manquerait. Ah, il manque peut-être encore un équipement de diagnostic, quelque chose auquel j'aurais pas pensé. Qu'est-ce que ça peut être? Tiens, j'ai l'impression que les machines commencent à être détériorées là. Comment on voit l'état des machines déjà? Ce qu'il faut, c'est éviter d'avoir des morts. Non, pour l'instant... Ah merde, non, j'aurais pu l'envoyer au centre de recherche. Non, c'est pas grave. Peut-être le prochain. Ah non, c'est sale, ça va pas. Il y a toujours le VIP qui est là, le VIP. Peut-être qu'il faut mettre des poubelles, d'ailleurs. Ah non, il n'y en a même pas pour en mettre à l'extérieur. J'en ai mis dans toutes les pièces, quand même, donc... Alors j'ai recherché un nouvel ordinateur, je sais pas si on peut le rajouter à la pièce peut-être. Ah, une urgence. 6 patients, ça je crois que c'est pour le psychologue. Oui, il me semble. Du coup ça va peut-être être un peu chaud.
Computer. Putain, je crois que j'aurais pas la place où le mettre. Merde. Bon, il faudra peut-être que je fasse un peu le ménage et que je le range. Ah, j'ai trouvé un remède. Voilà les malades, donc il va falloir que j'ai un psychologue assez rapidement. Ok, c'est parti. Je vais rajouter un banc. Il a commencé à y avoir pas mal de monde. Ça, je m'en fous. Donc là, ça va être chaud de sauver tout le monde avec un seul psy. J'en ai encore 3 à sauver. Croisons les doigts, on est rendu à la moitié du temps. Je pense que ça va le faire, honnêtement. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde! Qui c'est qui est mort? Ah, ça veut dire que j'aurai pas mon bonus à la fin de l'année. Qui c'est qui a tué un patient? Putain. Ah, du coup, je peux pas savoir. Je sais absolument pas. Je cherche un qui puisse faire. Non, c'est pas lui. Merde, il est où le chercheur là? Il peut pas être là. Ah non, 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 pourquoi il y a plus personne là? Sérieux. Je vais baisser la vitesse, là c'est la panique. Faut que je trouve un psy. J'ai plus beaucoup de temps. Merde, lui il est utilisé. J'espère que c'est pas le seul psy que j'ai. Non, il est là. C'est pas bon ça. Hein. Je sens que je vais perdre un deuxième patient. Ah, peut-être pas. Non, ça va se jouer à peu, mais... Je devrais être capable de la sauver. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai sauvé 6 patients sur 6, mais il y a quand même eu un mort. Alors, je sais pas où il est, ce mort. C'est bien dommage. Alors, lui, je vais le remettre à la recherche. Peut-être qu'avant, je vais essayer de caser un ordinateur. Ouais. J'ai 9000, donc je pense que j'ai de quoi me l'acheter déjà. Je vais essayer de bouger des trucs. Ouais, je crois que je vais pouvoir le caser. Alors, voilà, ça c'est un chercheur. Lui, c'en est pas un, je crois. Je vais l'envoyer au repos parce que il tourne en rond, donc autant qu'il se repose. Lui, c'est pas un chercheur, mais ils sont où les autres chercheurs? Lui, c'est pas un chercheur. Ah, il est là. Donc, je vais attendre peut-être qu'il ait vu son patient là. Je suis repassé en vitesse normale parce que là, c'est désespérant comme tellement c'est long. Là, il commence à avoir beaucoup de queue quand même. À avoir, non, ça, ils sont que deux, mais ce que j'aimerais, c'est. Alors, peut-être qu'il est fatigué, mais je vais quand même l'envoyer faire de la recherche. Alors, je vais voir si j'ai pas mon chirurgien. Toujours pas. Par contre, je fais assez d'argent, je vais en embaucher un autre. Tiens, par exemple, X-ray. Et merde, encore un que je peux pas soigner. Et tout le monde crève de froid alors que j'ai plein de radiateurs quoi. Je comprends pas trop. Je vais en mettre là où il y a vraiment du monde.
Là, il y a des gens qui attendent. Bah, là, pour l'instant, personne. Là, il y en a. Il y en a partout des radiateurs, quoi. Je comprends pas trop. Ouais, je pense qu'il y en a, il y en a un dans cette pièce déjà. Je suis pas sûr. J'ai dit qu'il fallait que j'inverse. Ouais, le problème, c'est que cette pièce est toujours utilisée à fond. Ça va être dur d'avoir 30 secondes de tranquillité. Tiens, je vais rembourser mes prêts. J'ai combien de files d'attente là? Ah, j'ai qu'une personne, donc la prochaine fois, je vais peut-être pouvoir vider la pièce. À chaque fois, il y a une personne qui se rajoute à la queue. Ah, ça m'a l'air bon. Ok, c'est bon. Je vais l'enlever. Ce que je vais faire, c'est juste bouger le radiateur ici. Merde. Je vais le mettre là, du coup, ça fait pareil. Alors, c'est quoi ça? Ouh, 400 $, c'est tout. L'hôpital lui a pas trop plu. Bon, c'est peu importe. Je vais finir par rembourser mes dettes là. Alors, ce que j'ai pas trop regardé pour l'instant, c'est les conditions de victoire. Tiens, faut que je répartisse. Vite fait, je regarde si j'ai pas un chirurgien, mais je commence à désespérer d'en avoir un seul. Ah, j'ai un nouvel outil de diagnostic. Le cardiogramme, je pense que ce sera le dernier. Par contre, il coûte cher. Non, même pas, ça devrait le faire. Je devrais rapidement avoir les l'argent qui me manque là. Ouais, c'est parti. Je vais le caser là. Ça me laissera une autre pièce à faire ici, je sais pas ce que je mettrai, mais. Peut-être tout simplement un autre docteur. Ok, je vais rajouter un banc. Et là, j'ai envie de rajouter un généraliste, tout simplement. Ça leur éviterait d'avoir à faire trop de chemin. Puisque tout ça, c'est des diagnostics. Comme ça, ils pourraient direct aller du diagnostic au... Ah, oh, urgence. 10 personnes. Et là, ça va devenir sérieux. Il va me falloir plus d'infirmières, je pense. Je vais en embaucher une tout de suite. Je vais réduire la taille de la queue à 5. Comme j'ai 5, j'ai 10 personnes, ça fera 5 dans chaque, ce sera parfait. Et normalement ça va très bien se passer, et ça va me rapporter gros. Alors, je comprends pas, ils ont encore trop froid. Oula, celle-là elle aura bien besoin de repos, je sais pas pourquoi... Celle-là, elle est comment? Ah, c'est parti. Bah, elle s'en va. Connasse. Donc, ce sera elle. J'ai besoin d'elle. En urgence. Voilà. Comme ça, ils en ont 5 à faire chacun. Normalement, j'ai largement le temps. Et tout devrait bien se passer. C'est ça, je vais le renvoyer à la maison. Là, ça va me rapporter gros, je crois. Je suis bien parti, je pense. Je vais regarder les conditions de victoire après ça. Je vais quand même être limite, je trouve. Bon, ça, c'est la fin de l'année. Alors, les récompenses. Ah, ça augmente, hein.
meilleure réputation. C'est moi qui attire le plus la population. C'est moi qui ai la plus grosse part de marché. Cure to death ratio. C'est moi qui ai le meilleur rapport entre mort et guéri. J'ai eu un mort seulement. C'est moi qui ai l'hôpital le plus propre. Et c'est moi qui ai la meilleure réputation. Donc me voilà riche. Ah, c'est bon, j'ai plus d'argent. Là, ça m'inquiète un peu. On va gérer un peu mieux la liste. Oh là, j'ai un truc sale. Ah, il est en train d'arroser les plantes. Faut que je l'amène là directement. Il m'en reste un, hein. On arrive à la fin du temps. Ça va être chaud. Il va crever. Ça va être bon. Oui. J'étais à deux doigts de le voir mourir. Ouais, 4000. 4000 plus le traitement à chaque fois, parce qu'à chaque fois on fait quand même payer le traitement. Je crois que le traitement là c'était 392 ou un truc comme ça à chaque fois. Donc ça fait 3900 plus 4000, c'était une urgence qui m'a rapporté plus de 7000 quoi. J'ai envie d'employer plus de personnel pour la maintenance. Peut-être lui mettre les plantes en priorité. Parce que j'ai l'impression que c'est pas ça les plantes. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter un généraliste ici. En fait, ça va me permettre d'éviter qu'ils reviennent dans l'allée centrale. Là. Non, j'ai pas besoin d'extincteur là-dedans. Ok, parfait. Comme ça, on sera tranquille, il y aura moins de circulation. Ils sortiront direct du diagnostic, soit de l'X-ray, soit du cardio. Et ils n'auront pas à revenir ici. Putain, mais j'ai toujours pas de... Je vais quand même acheter un docteur de plus. Je préfère comme ça, pardon. Du coup, est-ce que je l'ai acheté ou pas? Ah, je sais pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, ce que je voulais faire, c'était regarder les conditions de victoire, oui, c'est ça. Alors, il faut avoir plus de 500 de réputation, donc ça, c'est fait. Il faut avoir 50 000 de cash. Ça, ça va être fait assez rapidement maintenant. Et il faut avoir un hôpital qui vaut plus de 100 000 dollars. Donc en fait, ce qui est parfait, il manque plus que de l'argent. Mais c'est la chose la plus facile à faire. Surtout que là, je suis quand même bien. En fait, je suis sur la pente ascendante, on va dire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, diagnostic... Non, c'est pas ça que je vais faire. Diagnostic, j'ai tout. Traitement, j'ai tout. Clinique, j'ai tout. Ok. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il me disait que j'avais trop de docteurs, mais... ça, c'est des chercheurs. Je suis un peu obligé de les laisser là pour l'instant. Ah, un VI. VIP encore. En fait, je manque de docteur. Parce que là, je vois, il n'y a personne au généraliste. Là. Allez, c'est parti. Il y a du monde qui attend, mine de rien. Ouais, il y a une personne pour l'instant. Et eux, ils attendent pour où, du coup? Ah, l'extrait. Bon, le ward, j'ai bien fait de mettre 3 lits. Je pense que c'est ce qu'il faut. Hein. Ok, donc je pense que ce généraliste-là, il va vraiment bien servir. Il va bien, vraiment bien servir, pardon. J'ai du mal.
Il me dit que j'ai trop de nurse, mais je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, si c'est vrai qu'elle, par exemple, elle fout rien. Mais... Du coup, elle devrait se reposer. Oh, putain. Ça, il faut un chirurgien pour ça. Hein. C'est super énervant. Ah. Voilà le VIP, malheureusement. J'ai toujours ce problème de froid. Pourtant, je suis bien couvert, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut pas trop ce que je peux faire de plus. J'aurais bien envie d'en mettre un dans cette pièce-là. C'est là. Je vais en mettre un là quand même. Mais malgré tout, j'arrive bientôt à la victoire, donc si j'y arrive pas, tant pis, hein, ça marchera quand même. Ça m'empêchera pas de gagner. Alors vite fait, je mets un. Ah merde, j'ai tué un autre patient. J'ai un nouveau diagnostic, un nouvel outil de diagnostic. Je vais aller voir ce qu'il en est. Non, en fait, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais arrêter l'épisode ici. Je vais faire une pause. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.